Ah oui, c'est tellement gros. Ça le fait. C'est bon? C'est drôlement bon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que aujourd'hui, j'étais avec mon frère qui est derrière la caméra. Puis en fait, je suis revenu chez moi après mon trip de la Gaspésie. Puis j'ai une couple d'activités que je voulais faire dans le coin ici avant de repartir, dont aller pêcher la grenouille. Fait que c'est ce qu'on s'en va faire aujourd'hui. Fait que la technique qu'on va utiliser, c'est des dards en fait. C'est une des techniques qui est autorisée pour la pêche à grenouille. Quand on regarde la définition du dard, c'est quatre petits pics. En fait, c'est comme un mini harpon pour la pêche. Fait que c'est quatre petits pics qu'on va installer au bout d'un manche. Puis on va pouvoir aller chasser de la grenouille avec ça. Chasser, pêcher. Je sais pas trop c'est quoi le terme. Fait que c'est ça. On va faire ça. On va les construire. Puis après ça, on va aller chercher nos permis. Puis on va aller essayer de se prendre une coupe de cuisses de grenouille. C'est bon? Ouais. Tu tiens? Fait que ça n'a pas été trop long. On a réussi à faire nos dards. Maintenant, on va aller acheter nos permis. Puis on va aller faire de la route. Fait qu'on vient d'aller chercher nos permis. Puis c'est un peu plus cher qu'on pensait. C'est 22,50 pour pêcher de la grenouille. Le permis de pêche, il est 23. Puis si on veut juste pêcher de la grenouille, il est 22,50. Fait que j'espère qu'on va réussir à en prendre aujourd'hui pour rentrer un peu dans notre argent. Puis on va... C'est pas pêcher, c'est chasser. C'est chasser? Avant, la grenouille était dans le permis de pêche. Là, c'est rendu une chasse aux grenouilles. Ça y est écrit? Ouais, permis de chasse. Oh, d'accord. Ben, j'ai utilisé le mauvais terme toute la journée. Fait qu'on s'en va chasser la grenouille. Puis on va faire la route, puis on se revoit là-bas. Bon, on vient tout juste d'arriver à notre spot. Fait que aujourd'hui, il annonçait des orages. Mais en ce moment, peut-être qu'on va être pas si pire. Il y a des nuages noirs, il y a beaucoup de vent. Il commence à pleuvoir un petit peu, mais il n'y a pas d'orage en vue. Fait que si c'est juste ça, ben ça va être correct. Fait qu'en fait, ce qu'on va viser, ça va être du wawaron. Il y en a beaucoup ici. On est déjà venu puis on en a vu pas mal. Fait que on va mettre nos waders pour pas trop se mouiller. Puis on va aller essayer d'en trouver. C'est à Wawa, c'est clair. Ah oui, c'est tellement grand. Oh oui! Tabarnak! Hey, c'est... Ah ben, c'est... tant mieux quand tu vises la tête, il tombe KO. Ouais, direct. Au moins. Yes, sir! Yes, sir! Fait que c'est mon premier Wawaron à vie. Hey, c'est fou comment c'est gros, hein? Wow! On va pouvoir manger de la grenouille ce soir. Ça a été super rapide, là. Ça a pris 2 minutes puis on en a trouvé un. Fait qu'en fait ici on pêche, c'est comme un marais sur le bord d'un lac en fait. Puis c'est ça. Ça a l'air que c'est assez productif. On en a vu deux, on a réussi à en prendre un. Fait qu'on va les déposer ici, puis on va continuer. On a un petit bout à faire pour en trouver d'autres. Yes sir! Ah, oh, je la vois. T'as-tu? Yes, man! Encore une autre belle! Alright, t'as une belle shot et tout. Wouh! Yeah! Bon, peux-tu me montrer ça? Ton premier Wawaron, toi aussi? Je pense que oui. Ouais, ouais. C'est mon premier Wawaron aussi. Yeah! Quand même un peu plus petit que le tien. Hein? Ouais, j'avoue, quand tu compares, là, c'est une big mama, ça. Ouais. Bon, fait qu'on retourne là-bas pour faire une autre partie. Oh, je fume dessus. Oh my god, il est donc bien gros, lui. Oh my god. Oh, là, il y en a un autre. Hey, il est là, tu vois-tu? Ouais. Oh my god! Check où la mienne! Tabarouette! Et voilà,
Encore une autre vraiment grosse. Ouais, ouais, ouais. Hey, je capote des wawarons pour vrai, comment ça devient gros. C'est fou, là, check ça, comment le... Genre, c'est quasiment une aile de poulet, ce qu'on va avoir par cul, c'est fou. Oh! Celle-là, tu l'as, celle-là, tu l'as. Oh my god! Oh shit! Fait qu'on vient d'aller marcher tout ça là-bas. Puis on en a fait lever plein, mais il partait comme super d'avance, là. Il sautait, mettons, 20 pieds en avant de nous, on n'avait pas le temps de s'approcher. Puis on est revenu à notre spot du début. Puis tu vois, elle était pas nerveuse. Oh ouais! Ah, je suis pris. On va la ramasser en revenant. Will, là, là, là. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh wow. Oh wow! Là-bas! Oh oui, oui, oui. T'en as-tu un? Non. Moi, oui. Moi, elle a rentré dans... C'est donc bien massif, ça. Oh, tabarouette! Bon, regardez ça. La récolte avec laquelle on a fini. On a fini avec 6 wawarons. Fait qu'on a marché environ le quart du lac, mettons. On a fait une grosse baie au complet. Puis finalement, ça a fini qu'il était pratiquement tout concentré à la place où est-ce qu'on est arrivé. Fait que peut-être qu'on a été chanceux. Mais c'est ça. On a fini avec ça. Regardez ça, dans les spécimens les plus gros. C'est quand même impressionnant, là. On vient de revenir au pick-up. Fait que on va juste arranger les grenouilles. En fait, on va comme séparer les cuisses du reste du corps. Parce qu'il y a pas mal juste les cuisses qui se mangent. Sur ça, fait que on va faire ça puis ensuite on va aller cuisiner les cuisses de grenouilles. Hein? Coupe le poisson. J'ai juste pas été assez vite, t'as quelqu'un qui venait juste dire qu'il voulait la chercher demain. Ah ouais, ok. Mais check sur le marketplace là. C'était quoi? C'était une. Alright, vous êtes prêts? Oh wow! Ouh! Hey, à cette tire! Tu veux-tu l'ouvrir pour voir si elle est cuite? Si. Coupe. Ça la finite. Bon, c'est pas plus grave que ça. Sans se détail. Bon, ben, on goûte assez net. Ouais. Une belle assiette. Vous n'aurez jamais vu ça de votre vie, des grosses cuisses dans mon. Avec une sauce aigre douce. C'est trop chaud encore ou? Non, ça a l'air bien good. Là, ici, t'as un bon morceau. Ça aurait goûté comme du poulet rond. Mmh. C'est bon? C'est moins. C'est ça que ta GoPro et tout. C'est moins. Ouais. C'est moins sec que du poulet. Sérieux? Ah ouais? C'est mieux sec que du poulet, je pense. Ben, tabarnak. Je pense que les autres tous sont prêts. Gâtez-vous. Tabarnak. Ouais, correct. Ouais, ça teste ces affaires-là. J'ai déjà fait pire. Ah, j'ai des restes. Où ça? Oula. Où ça me fait? C'est bon? C'est drôlement bon. Bon, avec de l'aigre douce.
Hey, c'est bon en tout cas. Pas les deux derrière. Tu vas manger avec de l'eau, genre? De celle-là? Non, je peux embarquer sur le poisson, là. Ok. Ah ben, mais si tu veux goûter avec, c'était plus tard. Sinon, on s'est pogné au vrai harpon. Ouais. Puis les gars, vos impressions là-dessus? Sur les cuisses de grenouille? C'était quand même bon. C'était, ben, c'était vraiment bon. Ouais? Avec la panure à l'américaine. Ouais, hein? Juste de même, c'était bon. Puis avec la sauce à gredousse en plus, là. Ouais, j'avoue que... C'est quelque chose. Ça goûtait le buffet chinois. C'est comme du poulet, mais moins sec. Ouais. C'est vrai. Il n'y avait pas de goût particulier, genre... Ouais, j'ai pas de référence pour un goût qui ressemble. C'est la grenouille. C'est de la grenouille. Bon, fait que ça a été super cool comme expérience, puis le repas et tout, il était super bon. Fait qu'on est en train de manger la chiga qu'on a ramassée hier. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, c'était pas les mettre un petit pouce en l'air, allez vous abonner, ça m'encourage tout le temps. À la prochaine tout le monde.